On m'indique que Pascal Derry vient de faire son arrivée ici au Centre Bell. Nous sommes avec ministre de l'Éducation supérieure. Pourquoi vous teniez à être ici aujourd'hui? Bien, écoutez, c'est clair que c'est un gars de Repentigny, alors c'est mon comté. C'est vraiment les Cowboys fringants qui ont mis Repentigny sur la map. Là, avec Motel Capri, c'était vraiment les débuts des Cowboys fringants. Il y a quelques jours à peine, on a fait un grand hommage. Le maire Dufour, le maire Nicolas Dufour, donc le maire de Repentigny, a fait un bel hommage pour Carl Tremblay et sa famille. Il y avait des centaines de personnes qui se sont rassemblées sur la place culturelle de Repentigny. Un très bel hommage pour un grand homme. Je vous dirais qu'on a tous le cœur gros. Puis de voir vraiment cette vague d'amour le déferler là, sur le Québec depuis plusieurs jours. Ça nous touche beaucoup. Ça touche tout le monde. Il a marqué notre jeunesse. Il m'a marqué à moi. C'est quand même incroyable comment il aura réussi à transcender les générations, puis il aura réussi à nous faire danser, nous faire chanter, mais nous faire pleurer aussi, nous émouvoir surtout. Donc, ce soir, je suis très heureuse de pouvoir lui rendre hommage, puis surtout encore offrir mes sympathies, mes sincères condoléances à la famille, aux enfants et aux proches, évidemment, puis les membres du groupe des Cowboys fringants. En tout cas, toute la route, là, Québec-Montréal, là, je l'ai faite avec mes chansons préférées. Et je vous dirais qu'on fait ça depuis plusieurs semaines. Il aura réussi à rentrer dans les maisons, dans les parties, dans les autos. En tout cas, il nous habite encore et je trouve que notre responsabilité, c'est de continuer à partager ces textes, ces chansons qui sont souvent intemporelles. Donc, je suis contente d'être ici, mais on a tous évidemment le cœur gros puis on a tous une pensée pour sa famille, ses enfants et ses proches. Merci beaucoup d'avoir été. Merci à vous. Au revoir.